Voilà, le but saint retentit 9 fois pour saluer les 9 mondes du Valhalla. Et il ouvre ainsi la cérémonie sur l'esplanade. 12 guerriers disposent au pied du jeune chef un pavois rouge et or. Et puis ils le hissent sur leurs épaules. Alors s'enchaînent 2 protocoles successifs. Le premier établit le jeune chef dans sa fonction germanique. Il devient chef de la tribu. Le pavois tourne sur lui-même comme un disque solaire, déjà le soleil. C'est une clameur qui s'élève. Il est élu. Ainsi se noue le lien entre le jeune roi et son peuple. On lui remet la fameuse lance, la framée royale, le sceptre des Francs. Il le brandit au-dessus de lui-même, comme pour prendre à bras-le-corps son royaume. Il est Rex Francorum. Et puis le 2e protocole va suivre, c'est la remise de la chlamyde rouge qui le désigne comme dignitaire romain, rector provincieux. En ce temps-là, les barbares sont partout. Rome n'existe plus. L'Empire romain s'est effondré il y a 5 ans, en 476. Rome n'est plus dans Rome. Rome était une institution et une société. L'institution est morte. Qui va sauver la société? Comment prolonger la vie de la romanité? Avec leur mosaïque d'états barbares, les Goths guettent leur proie. Ils sont tout puissants. Ils rêvent que la Gothia viennent chasser la Romagna. Nous sommes à l'instant où le destin hésite. Barbarisation des Romains ou romanisation des barbares. Et voici que avance sur le pavois le jeune chef barbare, adepte du culte de Wotan, Clovis. Il a 15 ans. C'est un conquérant. Mais chose inouïe, le conquérant se laisse conquérir par sa conquête. Alors qu'on pense qu'il va tout barbariser, il choisit de tout romaniser, il se romanise lui-même, il s'assimile. C'est l'histoire symbolique d'un envahisseur qui se laisse envahir par la terre envahie. C'est la naissance de la France par un acte d'assimilation réussi. Un barbare qui cède à la tentation d'aimer sa conquête, de se laisser éprendre par ce pays qu'il accueille, par ce pays fort et fier de sa lignée, de ses trésors, ce pays qu'on appellera plus tard France, mère des arts, des armes et des lois.